Suite à la décision numéro 001, Commission électorale de recours, Fédération guinéenne de football, invalidant l'unique candidature qui restait au poste de président du comité exécutif, et dans le souci d'observer les dispositions de l'article 26 des statuts de la Fédération guinéenne de football qui dispose, l'élection du comité exécutif se fait par poste. Elle débute par l'élection du président, puis du premier vice-président et enfin par l'élection des membres ordinaires. La commission électorale, suivant la lettre numéro 0267 du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football, en date du 30 avril 2021, portant report de l'Assemblée générale élective, informe tous les candidats et acteurs du football que l'Assemblée générale ordinaire élective, initialement prévue pour le 14 mai 2021, est reportée à la date du 18 mai 2021. En application des dispositions de l'article 27, alinéa 3 du Code électoral, qui dispose tout cas relatif à l'organisation administrative et technique de l'Assemblée générale élective non prévue dans le présent Code, est tranché par la commission électorale. La commission électorale porte à la connaissance des acteurs du football que les candidatures pour le poste de président du comité exécutif sont rouvertes du 3 au 5 mai 2021 inclusivement. Voilà.